Mesdames et messieurs, gros bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue ou sous TV La Caille. Aujourd'hui c'est mardi 11 janvier 2022 et nous comptons avec vous et pour une petite vidéo d'information ça pour vous sans nous pas parler trop en entrer dans la cause. Rodolphe Jean, une véritable allié dans le cadre assassinat président Jovenel Moïse là. Et bien pourquoi on a parlé là qui t'a dans prison et bien dans pays et c'est le maire pété au nom et monsieur Lagé causé et nous allons faire des quantités nèg ou pas ta penser qui ont même impliqué dans dossier assassinat président Jovenel Moïse là. Et nous prenons le cas des nouveaux DGPNH là qui c'est France LB qui lui-même et bien croqué jusqu'au cou dans assassinat ça et puis gen PM Ariel Henry ak Badjo ak divers lot encore que et Rodolphe lui-même mettait tout non nèg ça au dehors qui t'a participé et dans le cadre assassinat ça et monsieur t'a fait connaître donc il était investi environ 130 000 $ et donc nan, et pour compléter l'argent qui t'a payé colombien ça yo et ben c'était comme ça monsieur lui-même t'a dépensé et monsieur s'est monté la parler toujours parce que il y a un pile causé et bien qui peut qu'on dit dans le cadre assassinat ça parce que en vérité personne peut qu'on connaît et qui yes et qui véritable et bien auteur zak assassinat ça en plus on a plongé douette dans figure quelque l'autre bourgeois en tout cas n'a pas. Et puis gagne Evans Paul qui lui-même saute souffleté là foué droite dans GPM Ariel Henry qui vient pour le craser Sénat et bien qui fait qu'on est hier le dia c'était et bien dernier et mandat et tire Sénat et tire sénateur qui c'est 10 et bien et Evans Paul là en CPMP hier monsieur pas content et monsieur eh bien corriger KPM Ariel et puis gagne Lambert tout qui lui-même crie conti bébé l'ouel manqué et bien perdu. Et donc il poste président Sénat ça parce que Ariel t'a décidé vraiment pour éliminer Sénat donc nous allons inviter quelqu'un d'état était connecté là tout. Interview bien longue ça t'est faite dans un chantier construction qui vide dans moment l'étape marron pour autorité haïtienne yo. Dans micro journaliste New York Times yo Rodolphe Jean admet li t'a aidé dans financer et puis planifier complot. Selon ça homme d'affaires a dit li t'a bail environ 130 000 $ américains pour plan exécuté permettre yo jeunes âmes et puis bay kay pour 21 commando colombiens yorete avant attaque là. Responsable dans affaires sécurité en Haïti d'après journal américain fait qu'on est opération qui fait dans résidence privée ancien président c'est groupe Phantom 509 qui t'est doué menel monsieur Jean révélé Joseph Félix Badio ensemble avec lui t'est rencontré un citoyen qui t'est présenté tête lui comme un dirigeant groupe là pour t'être capable discuter sous complot. Groupe ça qui gagne ancien ak actuel policier la donne te vin retire koyo nan kozea environ yon semaine avant 7 juillet et Rodolphe Jean di li pa konn ki sa ki te la cause sécurité moun ki pral remplacer Jovenel la vin apprendre que mission an changé yo dwe prendre d'assaut résidence président nan Pèlerin 5. Pendant interview ça homme d'affaires qui trouvé l'actuellement nan prison Saint-Domingue dit li pa konn comment plan arrestation Jovenel Moïse la vin viré en drame. Mais quelques minutes après la mort, Jean déclaré li recevoir un appel téléphone qui sorti bon côté German Rivera qui c'est chef mercenaire colombien yo qui confirmé ancien président mouri. C'est ça New York Times écrit. Entrepreneur qui dit li pa konn ki moun ki servo crime nan fait konnen li té engagé dans gros complot ça. Parce qu'elle t'a estimé président Jovenel t'a gagné un niveau arrogance qui t'a augmenté et il t'est venu un monde qui autorité avec des matchs ça Rodolphe Jean qui pensait il t'a pral joindre si pour États-Unis dit il t'a voulu tout bénéficier avantage commercial bon côté nouveau gouvernement ça veut dire faire jouir certains privilèges comme entrepreneur selon monsieur Jean comploteur t'a gagné intention pour faire juge coup cassation Wendell Coctello prêter ses mains comme nouveau président. Mais tout plan qui était visé pour arrêter sans yo patrouiller chef l'état te vin échoué les nèg examio rentré dans kayla et puis assassiné Jovenel dans chambre li moi pas connait comment et pour qui ça plan te vin changer pour le passer de forcer président démissionner pour tomber dans assassinat c'est ça le déclaré concernant rapport serré qui était gagné entre Joseph Félix Badio ak actuel premier ministre Ariel Henry New York Times fait connait li consulter diverses informations yo joine sous téléphone qui bail détail qui paraît un petit Jean drôle sous relation de monsieur. Selon ça, deux fonctionnaires haïtiens déclaré, les la police t'a cherché Badio, Badio lui-même t'est connu toujours aller Kay Ariel Henry. 4 mois après assassinat,
D'après fonctionnaire Sayo, il était venu dans résidence officielle chef gouvernement pendant deux fois et ça t'est passé dans la nuit. Badio t'est rentré dans Kaila sans aucun contrôle. Agent sécurité pas même fouillé, c'est comme s'il t'a rentré la Kaili. C'est ça, journal l'a écrit. C'est quoi Rodolphe Jar, Joseph Félix Badio t'est dit avant assassinat, Ariel c'est un allié cap itili après au fin renversé président. Homme d'affaires a dit il t'est partagé même kayak citoyen ça qui c'est un suspect clé dans la moi. D'après déclaration Rodolphe Jar que yo connaît tout sous nom Dodof, Badio t'est mandé payer Marie aide pour le cachaper pour li quitter pays. Ariel Henry t'est répondu li, il t'est dit l'a fait quelques appels avant. C'est ça Rodolphe raconté par journal là. Yon série déclaration New York Times dit li pas capable vérifier si yo t'est vrai ou pas. Fonctionnaire haïtien sa yo qui t'est parlé avec journal américain dit yo quoi Ariel Henry s'est tapé un suspect officiel dans l'enquête là s'il pas tap diriger gouvernement. Dans cadre même interview ça Rodolphe Jar cité non actuel directeur général PNH la France LB qui lui même tout semblait gain petit bagaille pour t'a expliquer. Selon sa ancien dealer de drogue l'a révélé, pendant qu'il a fait une réunion sur comment il a exécuté complot, Joseph Félix Badio t'a relé monsieur LB qui était conseiller principal pour la police pendant l'époque là pour demander pour bal siposam pour le café Zac Libral faire. Chef police là bon côté pas te répondre, il dit il pas gain zamio mais il pas essayer tout faire rien pour empêcher ça arriver d'après monsieur Jar qui cependant pas de bail aucune preuve pour ça. Mario Antonio Palacios Palacios ak Rodolphe Jar, deux éléments importants qui arrêté dans cadre enquête ça et qui continue à coopérer avec autorité américaine. Yon série révélation tout neuf qui provoqué en pile commentaire dans société haïtienne nan, spécialement sur réseau social yo. Depuis l'état Floride aux États-Unis. Luxon Saint-Ville pour Caraïbes FM. Merci Luxon Saint-Ville, Rodolphe Jar là qui carrière mon nom. Guerrier, donc révélation qui vient renforcer suspicion qui était gagnée sous Premier ministre Ariel Henry Komoun qui t'a impliqué dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mais élément nouveau dans la série et révélation ça, c'est Franz LB, actuel directeur général police nationale là, donc journal américain qui parlait avec Rodolphe Jar qui est en prison actuellement et République dominicaine dit qu'il a été contacté. LB, mais le ça, il était conseiller et directeur général ancien chef police. Bon, et l'autre bémol, c'est que il dit pas de baïzam que Badjo t'est mandé hein. Et mais il dit tout que il pas fait rien pour t'empêcher ça malgré Wally, c'était un conseiller principal, c'est une quoi mot qui utilisé dans le journal là. Mais dans le moment c'était Léon Charles qui était DG PNH là. Donc en gros c'est ça qui est gagné dans l'article ça qui lui-même sorti dans le journal New York Times et Luxon a rapporté nous hier gagné information qui fait croire que Rodolphe Jar mandé pour lui être capable transférer ou bien extrader de préférence aux États-Unis donc au lieu pour le t'avenir en Haïti. Donc situation compliquée et de jour en jour information yo a pas sorti pour capable gagner un procès sous dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse qui gagnait 6 mois. Ouais, hein? six mois. C'était 7 juillet qui assassiné avec deux dernières arrestations ça là les États-Unis les prend en contrôle enquête là et nous tout dernier mounio arrêté là yo préféré aller aux États-Unis au lieu yo vinn puger peine en Haïti côté crime dans tes fêtes là. Donc quand même il a dit peut pour sécurité yo pas ta mal pénitentiaire national et parce que même oui bon gars mon qui t'a souhaité c'est là yo vini. Ouais. Mais est-ce que y a garanti sécurité pour que procès a ka fait parce que si procès a pas fait pas gagner vérité peut-être chaque monde et tout le monde a attendre hein. Et il arrive pénitentiaire et puis t'as l'autre tendé une petite maladie, une petite fièvre, ouais. Ou bien prison crasée tout. Hein? Mm. Ou bien prison crasée et sauvé encore. Hein? Donc, est-ce que côté réel ou pas plus bon? Hein? Donc, Félix Badio, gaillé dans la nature, mais.
Jean dit que l'été partagé en chambre, il était dans le même caille pendant pendant temps. Mm-hmm. Et là, il a une idée. Et si Félix Badjo pas dans le pays, c'est à partir de. Pas et 4 mois après l'assassinat du président Jovenel Moïse, monsieur était dans le pays. Et il dit Félix Badjo est rendu caille actuel premier ministre. Oui, Donald John lui-même est toujours dans marron, contrairement à l'information qui t'a circulé dernier jour ça là pour te dire John a arrêté. Donc John toujours dans marron, même Jean juge là Wendell Coctello tout continue à chercher yo. Il y a plusieurs autres tout monde hein qui est mandat derrière yo que la police toujours à chercher même lorsque semblait-il pour autorité boycit à la table. Oui, mais nous pas connait qui ça qui décide finalement dans cas Samir Andal qui est fermé en prison pays turc et que autorité pays ça tapton jusqu'à 24 décembre mais passé à des documents qui sont de autorité haïtienne pour Premier ministre Evans Paul qui lui-même était demandé Premier ministre Ariel Henry pour pas suivre conseil c'est là qui a préclamé renvoi 10 sénateurs qui encore en fonction. Evans Paul ensemble avec nous en direct. Bonjour. Bonjour Gavier, bonjour Pierre Renel, bonjour tout le monde qui branche Captain D. Eh bien bon, Jean Mouette dit les sont question de logique. Mm-hmm. Nous avons trois problèmes que nous sommes censés considérer comme problèmes prioritaires dans le pays, problèmes de sécurité, problèmes de kidnapping, et puis tout le temps, nous créons une bonne polémique inutile. Nous faisons toute l'année 2021, disons moitié année, bien avant, nous avons dit que le mandat du président Jovenel est fini. Finalement, il est mort, mais il était toujours sous pouvoir, parce que jusqu'à présent, c'est. Imaginez ces reflets, ces décisions qu'a pris le pays. Nous considérons ça comme des polémiques inutiles. Il faut suspendre, faire 5 tournées 4, suspendre, faire 6 tournées 5. Si on est élu, il est installé en 2017, s'il l'a pour 6 ans, il est supposé finir en 2023. Bagaille polémique en droit, temps constitutionnel, temps électoral. Bon, tout le monde qui a fait 2-3 jours l'école, nous connaissons même guerriers ou juristes, nous pouvons avec les hiérarchies des normes. Ça veut dire que la Constitution elle est toute bagaille. Même si c'est une loi pour ton ambiguïté, mais si la Constitution dit qu'on est élu pour 6 ans, il faut compter 6 ans, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'est pas capable de compter à reculons. Ça, c'est considération d'ordre arithmétique. Mais il y a une considération d'ordre politique. Je ne crois pas que M. Henry, avec tout problème qu'il a pour le gérer, il va entrer dans un conflit avec un Sénat qui va déranger en rien, qui ne va pas empêcher de prendre aucune décision. En même temps, il y a un monde qui dit, bon, il n'y a pas pris grand rien, bon, que il n'y a pas été sur une mission de faire un bagaille, une réflexion, que ce soit le fonctionnement parlement, que ce soit le problème constitution, que ce soit le problème sécurité. Que c'est sous problème Jean l'argent l'État dépensé, que c'est sous problème, t'as capable de dire, problème réel que nous gagnons, problème désastre naturel, regardez là, qu'est-ce que tu gagnes dans le sud, qu'est-ce que tu gagnes dans la grande danse. Mais c'est nature pays, nous gagnons failles sismiques, mais son tap macabre dans l'histoire. Nous, il y a tellement de problèmes pour nous entendre, pour nous résoudre. Depuis tout le temps, nous avons pris l'ombrage. Et ces autorités, qui a baillé l'image, qui a baillé un mauvais exemple, ça, qui réjaillit dans le peuple. Alors moi-même, je dis que il n'est pas nécessaire pour nous entrer dans la polémique. Ça. Et je suis bien content si le gouvernement gagne un comportement raisonnable pour lui chercher, choisir qui problème qui est prioritaire, qui plus est capable de concerner la vie du peuple haïtien, qui sont inquiétudes, problèmes, insécurité. Problème kidnapping, c'est la priorité des priorités, je dis. Alors, on est bien content si le gouvernement entend des raisons et si reste là tout, frontier fort pour justifier présence. Et si bel et bien, date 10 janvier, nous passer, contrairement à toute attente, nous était 7 février, on l'autre date qui fait polémique. Malheureusement. Mm-hmm. Pourtant, nous avons date demain. Nous avons date demain qui est 12 janvier, qui sont date côté de gagner presque 300 000 monde qui mourent dans quelques secondes. Et puis, regardez ça qui est passé là, dans le sud, là, le 14 août, et puis toutes les autres menaces nous gagnent, etc.
ça qui passait comme menace là, dans nuit là, dans grande danse et dans le sud. Je pense que c'est des préoccupations réelles sous j'en ai vivre. Pourquoi ça autant de monde mourir? C'est parce que justement, fait des ordres, nous construisons n'importe comment, nous ambiance de racher jardin, planter caïme, nous avons expliqué ça dans la zone pleine du sud là. C'est même constat dans la pleine du nord, dans la pleine du cul de sac, nous faisons tout le bagaille en désordre, garder ta mon hôpital là. Nous avons constitué propre danger, nous pensons tout ça. C'est absence de l'État, d'une part, fondamentalement, mais c'est tout un problème d'absence de conscience citoyenne. Parce que ces bagailles pour nous arranger, pour nous mettre peut-être moins en danger, c'est appel à la raison, ça a fait créer un meilleur climat pour nous vivre ensemble. 7 février pour le venir, il y a un petit mandat pour le ministre. Le premier ministre n'a pas un mandat. Il n'a pas un mandat. Le mandat a fini aujourd'hui, il a fini hier, il a fini après-demain. Son circonstance qui fait monsieur Ariel Henry pour le ministre. Même pas qu'on l'est pour le finir. Je te prends un exemple, je te prends une anecdote sur moi, pour le premier ministre, le président m'a invité dans le même premier ministre. Et bien, l'heure après le 7 février 2016, moi j'étais arrêté jusqu'au 28 mars, jusqu'à ce que le premier ministre Enek Jean-Charles te prenne la relève. Alors, le premier ministre, là, son fusil brillé. Il a gagné au minimum 6 mois capable de faire, mais il a allé au-delà du mandat présidentiel, si circonstances politiques là. Circonstances politiques qui permettent. Moi-même, moi, pour une démarche qui chita sur cohésion sociale, pour nous mettre la paix, pour nous répondre à quelques grandes questions que le peuple a posées, problèmes la confronter, au lieu que nous chercher confrontation, vie polémique inutile qui va rapporter nous. Non, et en tout cas, oui, ça traduit qui ça? Est-ce que. C'est parce que ça, Ariel Henry était gagné comme mission, les poco réalisé. D'ailleurs, tu as gagné une opinion comme ça. Tu as était là pour capable de rétablir sécurité, pour organiser élection, référendum, etc. Est-ce que c'est parce que mission poco fini qui fait, selon vous, que il doit rester même après 7 février? Eh bien, bon, maintenant, c'est mécanisme. Qui vient vous mettre le dehors? C'est ça qui est le problème là. C'est-à-dire, qui j'ai arrivé 7 février, qui j'ai envoyé le 10, c'est même bagaille là, oui. Qui j'ai envoyé le 10 sénateurs pour aller, à partir de quel mécanisme, de quelle référence légale, pour dire, bon, au-delà, on t'a supposé faire 6 ans, mais 5 mois, selon des considérations, pour là, il faut aller. Non, quand même, il y a un effort pour établir un état de droit. Qui monde qui gagne la mission, qui gagne le pouvoir, au 7 février, à partir de quelle référence légale? Nous voyons le 17 février 2022, M. Ariel Balzello. Comment nous allons le faire? C'est ça le problème, c'est ça le vide, c'est ça la crise. Et malheureusement, le pays n'a pas de fonctionner comme ça, parce que tout le monde qui arrive là n'est pas capable encore, pas exister encore, etc. Quand ça passe le président Jovenel Moïse, mais nous avons un vide, c'est ça pour nous réfléchir. Le pays n'a pas de fonctionner comme ça, dans le libre, dans l'incertitude. Il y a l'incertitude déjà, de fait, d'autant parler de facto, son situation, d'un souhaité le passager, de fait dans l'insécurité, de fait dans l'autorité, de fait de facto pour un jugement, mais son réalité. Alors Ariel, c'est un premier ministre de fait, de facto. Maintenant, pendant le de facto à tout, de fait, nous avons une capacité pour nous de remplacer légalement sans laisser frapper. Alors c'est ça, c'est pour nous créer conditions pour nous rétablir le droit, pour nous rétablir les institutions, pour que justement, c'est pas le monde qui décide de faire 2-3 manifestations, faire 2-3 appels dans la radio, soit mettre un chef, soit mettre un chef, c'est pas étranger qu'on est obligé de faire, que nous-mêmes, nous créer propre méthode, propre mécanisme, nous, que nous respecter. C'est pas de manière chimérique, c'est pas avec polémique, c'est ça. Ma préoccupation. Bon, n'a pas 17 février, bon, si je dis à M. Ariel Henry, il a dit, bon, me fatigue, je parle comme premier ministre encore. Son dilemme, qui va remplacer? Son problème, c'est déjà la crise. La crise de comment le remplacer. Bon, peut-être il va aller abattre sur la question accord politique. Eh bien, c'est ça, mais accord politique là. C'est aussi la crise. Mm-hmm. Chaque fois, on parle de consensus, ça veut dire en dehors de la loi. Parce qu'on est à l'autre état de droit. Ce n'est pas de droit à monde qui vous réunit pour décider si on va bien faire le constat, va faire le constat.
c'est l'État, à travers la Constitution, à travers la loi, qui est tel site qui anticipé sur les événements. Si telle situation présentée, n'a pas fait comment, n'a pas résolu tel gens. Mais laissez ces trois mondes qui ont réuni, toujours il y a un monde qui parle d'accord. Parce que par un côté qui dit que c'est de trois mondes, de trois individus, quelle que soit la qualité, qui est capable de citer pour une décision pour le pays. C'est pas capable de faire en dehors de la volonté populaire. Et c'est ça, les de facto, il faut nous sortir là-dedans, de facto, il veut dire, en dehors de la loi, consensus, ça veut dire même bagaille. Bon, capable de faire parce qu'on n'a pas le choix pour le moment, mais pas qu'à continuer à vivre là-dedans parce qu'il n'est pas bon pour l'image pays. Et ça crée certitude, ça crée instabilité qui met en confusion. Pas capable de faire l'Assemblée nationale parce que Chambre des députés n'a pas là depuis 2020. Deux tiers c'est la partie depuis 2020. Et il y a un seul autre tiers Sénat, seul autre tiers Sénat ça, qui l'a. Et qui ont un mandat qui a fini en janvier 2023. Mandat ça, ce n'est pas un mandat qui a fait cadeau. Ni un président république, et pas un président république qui valide. Ce n'est pas un premier ministre qui a valide ou qui est valide. C'est le peuple haïtien, avec bulletin vote qui l'emmène, qui souverainement allait remplir de voix citoyens pour choisir le monde. Qui est au pipito dans chaque département et qui baille Mounsa doit pour venir siéger en dans la République là comme sénateur république qui gagne pour faire droit, qui pour veiller sur l'exécutif là et qui pour de temps en temps venir à Kayo pour venir dire qui s'est réglé en dans le pays. Il y a l'autre démission tout. Nous n'avons dit que le Sénat République affirmé et par voix président, à haute et intelligible voix, que sénateur qui l'aille, c'est 10 sénateurs qui parlent des sénateurs Bakoulou, c'est pas des sénateurs qui entrent ici en contrebande, c'est sénateur à part entière qui entrent le 10e lundi janvier 2017, après que l'autre sénateur qui était déjà validé pour voir, et dans le procès verbal là, il a mentionné que le sénateur Sayo, il est entré. Non, mois janvier, ou bien rentrer dans le mois février, ou bien rentrer dans le mois mars, ou bien avril, ou bien mai, t'as voulu pour sénateur Sidor, pour sénateur Kildé, pour sénateur Patrice Dumont, Fritier, etc. Et bien, on te dit, pour rentrer en mai 2017, en avril 2017, mandat a fini à partir du deuxième lundi janvier 2023. Et bien, on te voulait une fois pour toutes. Pour nous fixer ces questions, ça, et pour nous dire, mandat ça, parfaite question, marchandage, avec qui que ce soit. Haïtiens, Haïtiens, nous gardons un mauvais souvenir de l'année 2021, ça. Ou l'année 2021, qui était en pile difficulté. Pays nous en connaît en pile épreuve, et en pile problème dans le pays, qu'on menait des fois en gros manifestations. Manifestation qui le plus souvent qu'on violente, collègues sénateurs, fonctionnaires, parlement, peuple haïtien, attendez-nous là. La déraison qui règne aujourd'hui dans ce pays a tout dérangé. Des voix se réclament de la mouvance démocratique, se réclamant de la mouvance démocratique, ne se sont pas embarrassés de proposer tout ce qui est contraire aux normes. Et elle encourage la révocation du mandat des élus. Cette démarche qui semble ignorer toute mesure porte un projet qui consiste à renverser les institutions, constitue jusqu'ici les principaux acquis de ce régime démocratique que nous peinons à consolider. C'est ainsi que depuis trois longues années, un banditisme calculé qui paraît progresser dans la zone métropolitaine. Et qui allait juste dans la province. Si Matissan suffit lui-même pour compter, pour paralyser quatre départements, avec un bord dans l'ouest là, nous devons reconnaître que Gangio a opéré dans tout le pays. Et les conséquences sont dévastatrices sur l'économie nationale qui est déjà maigre. Toutefois, si vous ne pouvez pas monde qui a ramassé cadavre, si cochon par enterré dans la voiture avec chien, eh bien, son famille
après les ni moun nan bon, après les ni moun pa bon ici, et qui des fois, après les nan radio, pour venir faire la collecte pour lui, pour lui expliquer qu'il y a une rançon que ravisseur yo réclamé, causer ça triste. Les autorités de l'État ont le devoir d'assumer l'héritage d'une mauvaise gestion selon le grand principe de la continuité qui n'admet pas de séparation entre l'actif et le passif. Certaines revendications vont certainement revenir, très certainement, puisque les enseignants sont légitimes à réclamer leurs arriérés de salaire, comme les policiers ou les autres employés de l'administration publique sont habiles à réclamer de meilleurs traitements. Outre ces besoins naturels, la revendication principale de la population haïtienne est aujourd'hui la sécurité à rétablir. Je prends cette liberté de produire mon observation personnelle sur le problème haïtien. Quand l'homme d'État se doit d'exposer sa compréhension de la situation nationale sans aucune crainte de s'exposer lui-même. Aujourd'hui, plus que hier, notre pays a besoin de franc-parler, d'une parole vraie, qui soit en rapport avec le fait social haïtien. Et nous nous attardons trop au conjoncturel dans un comportement de sapeurs-pompiers qui n'a jamais su donner de résultats. Pendant trop longtemps, nous parlons d'une certaine Haïti dont les souvenirs mettent à mal les nostalgies encore incapables d'admettre que notre pays n'est pas seulement constitué de villes, de bidonvilles, mais pays noirs d'où. Il y a section communale, il y a quartier,